Salut l'équipe, c'est Soul King dans Basique. À 32 ans, l'Algérien Soul King publie sans visa son troisième album. Avec ce nouvel opus, il prouve de nouveau qu'il est définitivement le roi de la collab. Explication. Soul King, c'est 7 featuring sur cet album et plus de 90 depuis le début de sa carrière en France. C'est très commun ça. Dans le rap, il y a beaucoup de collabs. Moi, je viens de ce milieu-là, donc du coup, forcément, je garde toujours un peu les bases de tout ça. Pour lui, pas de recette miracle pour une bonne collab. La vérité, il n'y a pas de recette. Le plus important, c'est l'humain. Et il lui serait impossible de publier un album sans featuring. Je peux pas servir que du solo à ton public. Tu vois, par exemple, moi, je peux pas écouter un rappeur qui fait pas de feat. Parce que j'ai besoin de découvrir, je sais pas, j'ai besoin d'écouter de la fraîcheur. Ces collabs vont du tonton du rap français Rimka au DJ américain Diplo en passant par la chanteuse Camélia Jordana. Mais de laquelle est-il le plus fier? Le feat avec Cheb Mami, c'est une dinguerie. Ça fait des années que les fleurs ont fané. C'est l'une des personnes qui a mis la musique algérienne dans la carte du monde. Et avec qui aimerait-il partager un morceau aujourd'hui? The Weeknd, parce qu'il est fort déjà. Et en plus, il a ce côté un peu vintage que moi je kiffe aussi, tu vois. Sans visa, le nouvel album de Soul King est déjà disponible. Les essentiels de Basique ce soir, les Jackson 5, Kool & The Gang et Earth, Wind & Fire, trois groupes de légendes se réunissent pour une tournée Kings of Disco Funk. Ils seront de passage à Lille le 23 juin, à Paris le 25 ou encore à Lyon le 29 juin. Et puis le festival Le Mât des Escaravatiers fête ses 20 ans avec de nombreux artistes comme 47 Terres, Skip the Use ou encore Ben Mazuet. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres.